L'ange numéro 57, Nehemia. Il régit du 1er au 5 janvier. Il est l'ange du discernement. Il nous donne la capacité de comprendre ce qui nous arrive par la simple observation. Avec une grande lucidité pour prendre les meilleures décisions au bon moment. Il nous aide à voir clair lorsqu'un choix peut tout faire basculer. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Discernement. Capacité de comprendre par la simple observation. Mental privilégié. Pouvoir anticipation, prévoyance. Dévoile la cause des problèmes. Génie en stratégie, force de décision. Procure le sens de l'action. Dévouement aux grandes causes par ses idées. Renonce aux privilèges matériels pour se vouer à sa mission. Grandeur d'âme, noblesse d'esprit, non-attachement. Sentiment de liberté. Libère les prisonniers. Faculté de comprendre son plan de vie et celui des autres. Nous pouvons rectifier les faiblesses humaines suivante. Manque de discernement, de compréhension profonde et de vision globale. Tendance à se perdre dans les détails. Mentalité sombre et sans principe. Vie embrouillée et obscure. Problèmes relationnels. Désaccord. Discorde. Difficultés de communication, ne s'ouvre pas facilement à l'autre. Manque de liberté d'expression et de liberté en général. Trahison, lâcheté. Indécis. Irrésolu. Naïveté. Tendance à croire n'importe qui et n'importe quoi. Reste endormi dans la routine. Ne s'engage pas. Ne s'implique pas dans l'action.
prisonnier dans la psyché. Fuis l'expérimentation et le concret. Maladie et fatigue chronique. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes. Discernement. Difficulté à discerner le bien du mal. Prisonnier. Douce pensée angélique.